pour ce qui est de la desserte et en eau potable dans nos grandes villes. Le constat est presque le même que celui dans le secteur de l'électricité. Je comprends votre insatisfaction à ce sujet, l'eau étant la vie. Dans l'entretemps et sur mes instructions, le gouvernement a, pour ce qui est de Brazzaville, démarré le projet Station Eau Pratique, dont un prototype vient d'être installé sur le site du château d'eau du boulevard Alfred Raoul, en vue de résorber la lancinante question de la desserte en eau potable du quartier Plateau des 15 ans. Ce système autonome qui vise à apporter une réponse à la fourniture en eau potable dans une zone bien circonscrite, possédant un réseau de distribution, s'étendra dans d'autres arrondissements de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le gouvernement s'active également à finaliser la réalisation et ou l'actualisation des études pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des casernes de la ville de Brazzaville, dans les districts d'Olombo, Bundji, Gamboma, Muyonzi, Bouansa, Loutete et Yaya. Cependant, je dois tout aussi rappeler que le projet Eau pour tous avait déjà réalisé 2865 forages sur les 4853 convenus. Malheureusement, moins de 5 ans après son lancement, plus de 2300 forages, soit près de 80% de forages construits, ont été vandalisés par des compatriotes indélicats. Les vols de panneaux solaires, de cuves d'eau, d'électropompes, la destruction de structures métalliques ont eu raison de ce projet fort bien accueilli par nos concitoyens. 2300 forages détruits correspondent à un coût de 91 milliards de francs CFA qui ont été dissipés. Où étaient et où sont les dirigeants de l'administration déconcentrée et décentralisée, en l'occurrence les préfets, les présidents des conseils, les sous-préfets, les maires, les élus locaux, les chefs de village? Où étaient-ils donc lorsque s'accomplissaient tous ces forfaits criminels? Tout cela ne s'est pas passé en un jour. Enfin, disons que dans le cadre de la coopération avec l'Italie, le plan Mattei pour l'Afrique, projet de renforcement et d'amélioration de l'alimentation en eau potable des villes de Brazzaville et Pointe-Noire, étendu à d'autres localités, permettra à 3 millions de nos compatriotes d'avoir accès à ce service vital.